Le parquet national financier avait déjà ouvert une information judiciaire après des articles évoquant une gestion opaque des subventions accordées dans le cadre de ce fonds que vous aviez lancé. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Mais écoutez, d'abord, moi, je vais être très claire parce que beaucoup de choses fausses ont été dites. Et comme on dit, la diffamation prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Il y a encore quelques semaines, certains faisaient des tweets ou même des titres d'articles, encore pire, sur des informations, sur la base d'informations non vérifiées, avec des dépêches mal écrites et vite recopiées dans lesquelles on m'accusait de détournement. Si on lisait les articles, on avait l'impression que j'avais ramassé 2,5 millions d'euros, que j'étais partie avec ou que je les avais distribués à des amis. Il est démontré aujourd'hui que je n'ai aucun ami parmi aucun lauréat du fonds Marianne. Ce n'est même plus une question qui se pose puisque c'est démontré. Donc ceci est balayé. Il est démontré que je n'ai évidemment pas pris le moindre centime d'euro. Donc je tiens à être claire là-dessus parce que j'ai été diffamée dans cette affaire. Donc c'est fondamental de rétablir la réalité.